The year is 2001. The world is a very dangerous place. As the fragments of the former Soviet Union slide deeper and deeper into chaos, the forces of crime and terror expand to fill the vacuum. There is war in the Balkans, war in the Middle East, war in a dozen hotspots around the world. Outnumbered and under siege, the Western democracies desperately struggle to keep the growing disorder from spilling across their borders. On the front lines of this strange war is the Counter-Terrorism Task Force, codenamed Rainbow. Operating out of bases on both sides of the Atlantic, Rainbow operatives are poised to strike at a moment's notice anywhere on the globe. Although their existence is secret, their combined courage and vigilance have saved the lives of millions. Yet even now, a new enemy looms in the east. An enemy greater than any Rainbow has ever faced. An enemy able to strike when and where he pleases, bound only by his own hatred and ambition. An enemy armed with the most fearsome weapon known to man. Target acquired. Go, go, go! Salut à tous, ici Meganico68 pour le jeu Rainbow Six Rogue Spire. Alors, il est sorti le 17 mai 2001 sur PS1, en 99 sur PC. C'est le deuxième épisode de la série Rainbow Six. Il est édité par Ubisoft, développé par Red Storm. C'est un FPS tactique, jouable à deux joueurs et interdit au moins de 12 ans. Donc là, nous sommes dans le menu du jeu et oui, ça bug un peu. C'est pour ça que vous risquez d'entendre la voix en décalage avec la vidéo, c'est normal. Bon, là c'est parce que j'avais laissé, voilà quoi. Donc il y a eu l'intro. Donc je disais, c'est normal si la voix est en train de décaler avec la vidéo, c'est parce que j'enregistre, enfin je commande juste après avoir pris la vidéo, et oui, c'est pas en live. Donc là, je suis en train de changer la langue, enfin plutôt, j'étais en train de changer la langue, j'ai mis en français. Donc, dans les options, on a les principes de base. Là, je vais augmenter un peu la musique, histoire de vous faire écouter. Mais pour l'instant, c'est une musique calme, donc ça sert à rien. Donc après les options, on va passer à la phase du jeu. Donc je vous avoue, j'avais déjà joué un petit peu avant et c'est pas fameux. Mais vous allez voir ça juste après. Puis voilà. Donc démarrage rapide, en fait, c'est commencer la partie de suite sans choisir le mode de difficulté. Campagne, c'est ce que je vais faire. Et je vais d'abord choisir le mode de difficulté facile, c'est-à-dire bleu. Et je reviendrai sur Elite plus tard. Histoire de faire une différence entre les deux niveaux de difficulté. Operation Pandora Trigger. A group of Egyptian extremists. Looks like we've got some new team members. Vous pouvez voir que ça bug. Welcome aboard, ladies and gentlemen. But try to save the introductions for later. Fait la vidéo. Normally, the feds handle hostage situations on American soil, but apparently, we've got some very high-profile foreign nationals in there. Among others, the French. Alors, après le briefing, on va aller voir le mode équipe, enfin, l'onglet équipe. Donc là, c'est les principaux personnages qu'on peut choisir pour participer à une mission. Donc ils ont des spécificités genre démolition, électronique, assaut.
Ensuite, le kit. Kit, c'est les principaux uniformes, armes et autres objets qu'on peut donner à ces hommes. Donc il y a plusieurs tenues, comme vous pouvez le voir. Par contre, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de personnaliser tous les personnages. Vous pouvez aussi cliquer sur rond pour choisir cette arme pour toute l'équipe. Et là, pour la mission, on va utiliser des armes silencieuses. Parce que sinon, les otages y meurent. Bon, j'avoue que là c'est un passage assez long quand même. Pour l'instant c'est calme, donc on a une musique assez calme. Mais vous verrez que la musique elle a une grande importance. Parce que en fonction des actions qu'on fait, elle va changer. Donc ça c'est un bon point. Oui, je sais, les grenades, c'est pas silencieux du tout, mais c'est utile. Surtout, faut pas vous endormir en regardant ça. Hein. Pour accélérer la vidéo, si vous voulez. Là, je voulais bien détailler le principe de choisir les armes, et donc j'ai voulu au début personnaliser moi-même les personnes de mon équipe. Mais bon, après ouais, j'aurais pu faire rond, parce que j'ai donné aussi des armes silencieuses, donc ça revenait au même quoi. Même si c'est pas les mêmes armes, c'est à peu près pareil quoi. Ensuite, on va voir l'onglet plan. Donc normalement, là, c'est pour planifier l'attaque, comment on va procéder et tout le reste. Donc on voit notre point de départ qui est le carré. Et ensuite, en bougeant avec les flèches directionnelles, on peut choisir où on va commencer. Donc en gros, faut juste cliquer sur croix et bouger avec les flèches directionnelles pour enlever ces carrés. Donc là, c'est parce que je voulais faire une action, mais c'est pas possible. Je vais choisir la porte à gauche, mais bon, il prend pile au milieu là, ils vont passer dans le mur, je sais pas comment ils font. Donc là, voilà. Et le bonhomme bleu que vous voyez là, c'est le point où sont les otages. Donc le jeu, c'est en principe beaucoup de libération d'otages. Donc c'est un jeu beaucoup basé sur l'infiltration. Être silencieux, et comme vous avez pu le voir avec 13 ou bien avec Far Cry, je suis pas un as dans les jeux d'infiltration. Donc petit chargement, et nous voici dans le jeu. Donc oui, graphiquement il y a eu mieux, surtout qu'il est sorti en 2001, donc normalement il aurait pu y avoir mieux, mais bon, c'est peut-être pour
rester avec le même graphisme que la version PC qui est sortie en 99, donc voilà. Mais bon, il y avait mieux quand même. Donc les flèches directionnelles pour bouger. Ensuite, on a croix pour tirer, mais là je vais pas le faire de suite. Hein. On a pas latéral et pas... Alors, le pas latéral à gauche et pas latéral à droite, ça c'est R1 pour aller à droite et L1 pour aller à gauche. Pour regarder en bas, c'est R2 et pour regarder en haut, c'est L2, pardon. Donc ensuite, changer d'arme, ça c'est triangle. Et faire les munitions, ça c'est carré. On peut changer d'équipe en faisant start et ensuite on a ça, le petit menu. Donc là j'ai que deux équipes, équipe verte et équipe or. Voilà, on fait venir la deuxième équipe. Pour ouvrir la porte, c'était rond. Mais comment ça s'appelle ? Avant, la première fois que j'ai commencé le jeu, il fallait faire un petit switch entre rond et select. Bon, par contre, là, la musique elle est comme ça parce que bah voilà quoi. Il y a des terroristes un peu partout. Sinon la musique, désolé, elle saccade un peu. J'ai eu des petits problèmes avec Fraps. Et aussi Audacity. Donc là on avance doucement. Sur la carte on voit un point rouge, c'est un ennemi. Changer d'arme et l'abattre. On l'a abattu. Donc oui, on est dans un musée égyptien. Là, c'est une musique où on avance en douceur. Donc ça va. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Vous avez pu noter que l'intelligence artificielle n'est pas super intelligente. On a le temps de leur tirer dessus. Là, ça y est, il y en a un autre. Verte. Moi aussi je sais où ils sont situés. Et voilà. Et maintenant, j'ai pris ce chemin et je n'aurais pas dû. En prenant ici, ils ont tué les otages. Donc bon, là, après, c'est la partie où j'ai pas trop compris pourquoi j'ai perdu et que j'avais fait silencieux. Et en fait, je me suis dit, peut-être c'est scripté. Peut-être fallait pas prendre ce chemin-là. Donc là, je recommence. Nouvelle partie. Et cette fois, mode élite. Operation Pandora Trigger. Donc a group of Egyptian extremists have stormed the Museum of Art in New York City during. Cette fois, on passe toutes les options et voilà. Petit chargement.
Alors, avant c'était le mode bleu, maintenant le mode élite. J'appelle de suite la deuxième équipe. Et là, faut que j'entre, mais en douceur, parce que ça va être très dur. Il y a un terroriste juste à ma gauche. On va essayer de l'aveugler comme ça. Manque de peau. Je ne savais pas que j'allais aveugler toute mon équipe. Ça fait... Pardon. Ça fait vraiment idiot. Et donc voilà, j'ai perdu un homme comme ça. Un deuxième. Alors, il tire à travers les murs. J'ai perdu trois mecs. Parce qu'il a tiré à travers le mur. Sur mes quatre gars, j'ai perdu trois gars. Donc j'ai déjà à moitié perdu la mission. Comment faire face à toute une armée de terroristes? Je suis tout seul. Par contre, le côté négatif du jeu, c'est dommage que les corps y restent pas. Parce qu'au moins, on peut pas se perdre vu qu'on sait qu'on est déjà passé par là. Puis au moins, c'est un côté réaliste. Là, ils disparaissent vite fait. Pardon. Petit problème de gorge, hein, désolé. Sur la carte, je vois qu'il y a des points rouges. Donc je lance une grenade pour, je pensais, les attirer. Mais en fait, c'est à moi de venir m'approcher. Et là, je me remets à lancer une grenade. Voilà. Et j'en ai eu un. C'est qu'il y en a un ici, voilà. Donc pour l'instant, la zone est sécurisée. Faut pas oublier que je suis tout seul, je peux plus compter sur l'autre équipe. Les autres gars sont morts. Quand même, ils sont morts bêtement, hein. D'entrée et puis paf, sans rien faire. Donc ensuite, faut que je fasse attention, car il y en a un juste là. Voilà, je l'ai loupé un petit peu, mais après je l'ai eu. J'ai eu chaud, quoi. Donc cette fois, on va prendre ce chemin là-bas, ici, là, parce que je pensais que c'était scripté à fond, donc peut-être faut prendre ici, là où il y a le plus. Dans l'intelligence artificielle, on peut noter qu'ils sont idiots, c'est le cas, hein. Mais ils arrivent quand même à tirer à travers les murs. Super, on voit les otages, c'est super, mais pourquoi je n'arrive pas à le tuer? Voilà. Alors voilà la bêtise à ne jamais faire. Toujours ne
toujours regarder son chargeur s'il est vide ou plein. Moi en l'occurrence, il était vide. Et voilà. C'est vraiment idiot. J'étais sur le point de gagner la mission, mais voilà. Et j'avais qu'un mec. Donc, en regardant ça, j'ai été surpris et j'étais, mais merde, c'est bête. J'ai oublié de recharger et tout. Et donc, j'ai recommencé. Enfin, il y a eu un petit bug avant, c'est vrai. Mais après, j'ai recommencé la partie. Pardon. Donc, comme je disais, je recommence la partie. Et là, cette fois, j'envisageais d'attaquer ce terroriste, mais autrement. La première équipe s'occupe de la porte ici, et cette équipe s'occupe de ce secteur-là. En fait, c'est l'entrée qui me pose le plus de problèmes. Mais une fois qu'on entre, c'est bon. Et là, j'ai perdu deux mecs. Vraiment idiot. Alors, là, le but, c'est abattre le terroriste qui a abattu mes gars. J'ai eu une idée de génie, lancer une grenade. Moi je pense que là ça va l'abattre. Sauf que voilà. Voilà, ça c'est un boulet. Donc j'ai recommencé à nouveau. Ouais. Toujours appeler la deuxième équipe en soutien. Donc on a vu que ouvrir la porte de gauche n'allait pas. Ah, il a réussi à tuer mon ami. Voilà, il m'avait énervé. Donc je l'ai tué. Il se vantait là en me tournant le dos là. J'en ai tué un. Eh bien, je l'ai vengé. Donc, nous entrons maintenant dans le musée. Nous allons nous occuper de celui en hauteur. Bizarrement, il n'y avait presque aucun parcours. Donc, si je résume, j'ai trois gars qui sont encore en vie. Celui-ci, cette fois, je le fais aller en hauteur. Il va nous nettoyer la zone. Toujours la même frise, quoi. Même fresque. Là, on y va tout doucement. On a pas celui-là. Sauf que là, j'ai pas compris. Je lui ai tiré dessus.
Mais il est pas mort. Il s'est mis à genoux et hop, c'est fini. Voilà. L'autre m'a tué. Et là, ça m'a un petit peu énervé. Ça m'a grave énervé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait appel à l'autre équipier. Donc, plus que deux persos. Mais je le voyais pas, c'est ça qui était bizarre. C'était bizarre. Et l'autre était à genoux. Il y a eu un terroriste ici, donc je vais avancer lentement. Là, j'ai réussi à en abattre un. Seulement celui-là, je lui tire dessus, mais il a rien. Pardon. Donc, en gros, il a une protection superbe, le mur. Il est invincible. Donc je me suis dit, je vais lancer une grenade pour tester son invincibilité. Vu que les tirs à la tête ne font rien. Et là, un tir à la tête et je suis mort. Donc avec ce bonhomme, ça m'a énervé. C'était un mec qui a bugué, voilà. Et comme il m'a énervé, ah tu te rends ? Ben non, tu te rends pas, voilà. Ensuite, l'autre là, il voulait se rendre. Hop, je négocie pas avec les terroristes. Voilà, il m'avait énervé. J'aurais voulu que son corps reste, j'aurais tiré encore plus. Non, en fait, je suis pas aussi fou que ça. Mais c'était pour m'amuser. Me défouler sur lui. Ensuite, j'y vais doucement. Là, le viseur a bougé. Parce qu'il y en a un là. En fait, c'est celui qui était invincible. Il était de ce côté-là. Mais il a réussi à me tirer à travers le mur. Le jeu est vraiment bien buggé, quoi. C'est assez dommage. Et oui, j'avais pas vu que l'autre était là. Et donc, j'ai encore perdu la mission. Le pire, c'est que j'ai tiré sur un otage. Enfin, je crois. Mais qu'un otage a été tué. En même temps, mon bonhomme a été tué. Donc voilà, j'ai fini ce test. Enfin, ce rétro-test de Rainbow Six Rockspear. Et je vais vous laisser avec une image et une musique, encore une fois, pour le prochain rétro-test. Cette fois beaucoup plus long, car il concerne un jeu qui a 20 ans dans bientôt. Donc voilà, je vous dis à plus.